Après avoir débuté dans le rouge, les indices européens gagnaient du terrain au milieu de journée jeudi. Un renversement rendu possible grâce à une source officielle de l'Union européenne, selon laquelle les documents présentés par la Grèce pouvaient constituer une base pour un accord. À 12h52, le Stoxx 600 gagnait 0,18% à 398,02. À Londres, le FTSE prenait 0,08% à 6850,29. Et à Francfort, le DAX était en hausse de 0,41% à 11518,23. Sur le marché français, le CAC 40 avançait lui aussi, une poussée de 0,36% à 5063,34. Il y avait 30 valeurs en hausse pour 9 valeurs en baisse. Et parmi les plus fortes progressions du jour, on retrouvait Airbus Group, plus 1,72% à 62,75€. Bouygues, plus 1,54% à 35,03€. Et Orange, plus 1,45% à 14,66€. Sur le marché d'échange, l'euro valait 1,1198 et le dollar était coté à 123,59 yens. Enfin, pour terminer sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT 10 ans était en hausse de 2,9 BP à 1,25%. Depuis le New York Stock Exchange, c'était Sarah Pison pour Trading Central. Excellente fin de journée, bon week-end et à bientôt.